Et voilà, c'est moi Tix et je suis de retour pour l'épisode 6 de Dead Space 3 en mode impossible. Et comme la fois lors de laquelle nous nous sommes quittés, nous voilà en face du monstre géant, du monstre tout mort, du monstre tout glacé que nous allons devoir réchauffer. Donc c'est ce qu'on va faire direct. On va pas perdre trop de temps parce que je sais qu'il n'y a pas d'ennemis qui vont attaquer. Donc nous l'objectif il est par là. Et les supplies que j'ai pété l'autre fois, on ripop. Donc écoutez, on va se faire plaisir avec. Il n'y en a pas par là? Si, je crois qu'il y en a là dans le coin. Eh ben non, c'est dans le coin d'après. Donc l'objectif là sera d'aller là-dedans, dans ce zerg géant, dans cette queen. Faut juste qu'elle nous écarte les jambes, qu'on puisse s'intégrer dedans. Eh ouais, ça c'est la machine à vapeur, hein. Comme quoi en 2300 après Jésus-Christ, eh ben, la technologie a, comme qui dirait, stagné. Voire même pire, elle est revenue en arrière, genre les grandes époques des années 40 là, avant la guerre, hein. Avant 39-45, oui, hein. Ça, on s'en fout. Earl Serrano, donc ça c'est un personnage intéressant de l'histoire de Tau Volantis au niveau du background, hein. Sinon après on s'en fout un peu de sa gueule, franchement. Mais ça, c'est comme ça. Donc là, qu'est-ce qu'il y a? Nouvelle tenue disponible à l'essayage, dites-moi. Est-ce qu'on va aller voir ce que c'est? Je suis bien chaud pour un. Deux chargeurs, un cadence, ça dégage. L'équipe de soins, super sympa, j'en avais justement besoin. Ah, l'essayage est là. Attendez, on regarde. Là-bas, il y a des supplies. Et on va voir la nouvelle tenue de Isaac Clarke. Alors, on fait genre le tiers du jeu avec une seule tenue. Et ensuite, on en change tous les trois chapitres. C'est bien, hein? Ouais, c'est vraiment pas mal. Donc, je sais plus laquelle c'est, par contre, on va voir un peu. Je n'ai plus le souvenir. La tenue d'archéologue, oh bah c'est bah, en fait celle que je pensais, hein. Et ben bah, ça sent bien parce qu'elle est pas mal, je crois. Alors où est-ce qu'elle se cache? Ici, archéologue. Elle est un peu jaune. Perso, j'aime pas le jaune, hein. Moi je préfère les couleurs sombres, hein, les teintes un peu dark, hein, les teintes métal, hein. Les teintes jaunes maille à l'abeille, là j'aime pas trop, mais bon, c'est pas grave, hein. Elle est quand même jolie, voix. Elle a toujours sa fourrure, mais. Ah putain! Les petits éléments de. Comment dire? Oh non! Elle est jolie en fait! Elle est cuivrée, on dirait un peu. Attendez, je vais vous la montrer plus en détail après. Alors, le rig, est-ce que je peux que l'améliorer? Ah bah que je peux pas, hein! Là, la télékinésie, on va essayer d'améliorer. La portée, je peux, les dommages, je peux pas. Et la stase, l'énergie, putain, transducteur là. La recharge, Joseph, la durée, Joseph. Ok. J'ai envie de dire quand même la portée elle suffit amplement, les dommages ou pas. Donc on va attendre, hein, pour l'instant aux F, hein. Donc attention, on va trouver un angle sympa, genre là et. Et voilà. Si ça c'est pas bling bling. Oh comme eh franchement. Eh ouais. Non franchement, les tenues dans Dead Space numéro 3 sont très très jolies. Franchement elles sont réussies. Elles font moins Space Marines, enfin moins Space, moins ingénieur de l'espace que dans le 1 et dans le 2. Mais elles sont stylées, genre. T'imagines les archéologues du futur habillés comme ça? Regarde ça! Franchement, c'est méga classe quoi. Il y a un peu une gueule d'insecte limite, c'est. Dead Space 3, hein, le jeu avec les ascenseurs les plus longs du monde. Mais là en même temps, que ce soit long, c'est cool parce qu'on peut pas voir ce qu'il y a au-dessus. C'est la neige, c'est le blizzard. Ouais. Non, mais par contre, ça s'ouvre par contre. Mon petit doigt me dit que ça s'ouvre là. Oh oui. Et voilà. On est tout en haut du système de recherche là. Donc moi je sais ce qu'il faut faire. Je vais pas me faire yesh. On va devoir ouvrir ça à la Dead Space. Enfin, qui a popé là. Et la musique s'excite un petit peu. Donc hein, les effets de vent très bien faits. Les particules extrêmement bien faites. On sent qu'il y a vraiment du vent. On sent que c'est ouf. On prend ça, on l'ouvre. Merde. Ramenez vos gueules! Pourquoi vous allez par là? Oh, je l'ai éclaté! Regardez encore, regardez au fond là, on va l'attendre. Dès qu'il arrive, on lui pète les jambes! Au bout, les bras! Allez! Allez, reload! Au début je pensais que ça popait à l'infini.
Mais en fait non. En fait ça va. Ça pop juste beaucoup. Regardez. Allez, qu'est-ce qu'il y a là? Eh, casse-toi. Les ennemis les plus intelligents. Par contre, ils pop de nulle part, hein, comme vous pouvez le constater. Parce que j'ai... Ah putain, je sais pas, mais caché là, Charo Noir. Charo Niard, je suis sûr qu'il y en a caché là en plus. Les ressources sont clairement là, dans le coin. Ça, c'est une cache ta ressource de sûr. Donc, moi, la première fois que j'ai joué là, je les ai. Les ennemis, je les ai esquivés en passant par au-dessus. Donc, eux, ils couraient en bas comme des Goliaths et moi, j'étais au-dessus, je suis passé tranquille. Ils sont trop cons pour monter. Allez, passons le plus large en dessous parce que je sais qu'il y a. C'est un pop en face là. Encore un son là. D'accord, t'étais pas mort toi. Oh non. Est-ce que... J'ai pas réussi à esquiver. Parce que je peux pas... Ah, je peux pas faire la roulade d'esquive en fait quand je suis dans le blizzard comme ça. Ah ça je savais pas. C'est pour ça que je faisais la strafe de gogo là comme ça. Gogo, gogo. C'est à cause de ça. Ok. Toi, ramène ta gueule, hop, je te passe par au-dessus. Et tu tombes. Voilà, parfait. Easy. Il y a le soleil par là. Là, je le vois très à la purée de poids. Il y a une décevant. Il y a Isaac comme ça. La météo influe sur son comportement. Hein. Alors, Uncharted 3, un jeu très très bien de qualité. Parce que Isaac, il est trop gras pour passer la porte. Elle n'arrive pas. C'est un gras du bide. L'objectif de la vidéo, hein, c'est de ne pas mourir, hein. Ça, vous connaissez à savoir. Ah, il était rentré. Quand tu la rentres, tu la sors plus. Hein. C'est ce qu'elles disent toutes. Une fois que tu l'as mise dedans, tu fais attention. Toi, tu pètes pas. Hein. C'est quoi circuit? Cadence de tir, chargeur. Ah, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant pour celui-là, justement. Quoique cette balle, en même temps elle est tellement puissant que... Ouais non si c'est bien. Donc là. On va arrêter ce garde que ça pop de devant cette fois-ci. Je vais pas vous mentir que je me souviens plus. Ok ça pop pas go. Ouvre-toi. Restez caché. Oh putain je vais me faire décapiter par ça. Ouais ouais ouais. Isaac presque prêt à rentrer dans le corps de la bête géante et de s'y amuser. Ouais, ouais, ouais. Ah non pas encore avant il y a un truc. Ah oh, putain en fait on y est pas encore. Ah il y a encore une mission entre temps. Bon c'est pas grave. En même temps j'ai pas envie de lui rentrer dans le corps à celle-là. Elle me répugne. Bleh. Vous allez voir que ce qui nous attend à l'intérieur, c'est pas GG, c'est pas glorieux. C'est pas Jojo. Comme diraient les petits vieux. De la germousse. Ah c'est pas Jojo ça. Ah non non non. Ah c'est pas joie ça. Boum. Et je suis sûr que si je tire dessus ça explose. Ah tu me diras Thomas. C'est mon fournisseur officiel de tips de Dead Space 3. Parce que moi je sais pas une gâchée de mission en tirant dessus là. Mais il y a marqué danger dessus donc bon. Ça va vouloir dire quelque chose hein. Je rappe ou ouais, excuse. Ah Zach c'est un rapper. Rapper. Ouais ouais ouais. Allez la porte. Voilà c'est quelqu'un qui attaque. Je vais prendre le coup de plasma. Oui oui oui. Ok c'est pas... Let's fucking go. C'est bon on s'est remis en route. Faut que j'aille où là? What the fuck. Me dites pas que j'oublie un truc. Oh putain ça m'énerve tellement. Oh. Oh je suis con. Ah je suis un Golios. Ah putain j'ai pas raqué le truc je crois. J'ai juste... Ah mon dieu. Ah non j'ai... Ah putain. Ah c'est ouf hein.
Ouais, je me suis super bien amusé dans le de l'ascenseur, hein, comme vous avez pu le constater, je pense. Vous l'avez vu, c'était beau, hein. Putain, regardez là, oui, mongolito, ça, gogolin. Ah là, putain. Oh là là. Qu'est-ce que ça donne? Quoi? Pourquoi t'as crié d'un coup, là? Ah! J'ai peur, au secours des monstres. Isaac, est-ce que tout va bien? Ouais. Ah oui, ah oui. Hey, merci de supporter Robert. Merci de supporter Robert, enculé. Vraiment lui-même. Bah, Norton ne m'aime pas beaucoup pour plusieurs raisons. Mais vous avez besoin de moi. Ouais, le chacalinou là, non, le chacalage. Comment je l'appelais, moi? En fait, je pensais toi et moi. Chacalinois. Le chacalinois. Chacalinois, chacalinois. Il appelait seulement pour me parler de la chaufferie. Ça va, ferme ta gueule. Isaac, on se voit plus. Il est trop jaloux. Il est tellement jaloux, ce mec. Ça m'énerve de voir ça. Enfoiré, oui, oui, oui. Ouais, Tixun a trouvé le moyen de faire. De faire durer les vidéos plus longtemps. Oui. Allez, la chaufferie là, putain. J'aime bien les effets de lumière et la colorimétrie de cet endroit. C'est plus joli que dans la neige dehors là, quand on se battait contre les marines, c'était très moche. Dans les genres de gorges. Oh, sérieux. Open-toi là, OMG. De la glace ici. Isaac, le circuit thermique est alimenté, mais le spécimen ne dégèle pas. Le mécanisme est bloqué? Ouais, c'est à cause du givre. Je dois pouvoir arranger ça en réglant la pression. Allez-y, je le fais à l'ancienne, hop. J'y vais. On charge. Hop, on charge le 2, voilà. Maintenant, on charge le 4. On charge celui qui brille. Hop, hop, hop. Et on sait pas attaquer, donc on s'en fout. C'est super intéressant, hein. Vous allez voir. C'est ouf. C'est fou. Si en plus on se faisait attaquer, je crois que... Ah, mais ça aurait été impossible, en fait. Je suis sûr que là en coop, le mec, on s'est attaqué comme des ouf. C'est trop attaqué, je suis sûr. On a combien de pourcentage là? On est à 70%, allez! 80, oui. Mais on a la vidéo là. C'est épique! Est-ce que j'ai réussi? Vas-y, dégèle! Activation! La température augmente à l'intérieur. Et attendez, j'ai encore mieux. C'est-à-dire, il est sur le dos, il se croit à la plage. Je vous dirai en route. C'est là-haut. Les nécromorphes transmettent les signaux des monolithes. Donc, les chercheurs ont développé un détecteur de signaux afin de trouver la machine. Où est ce détecteur? Il doit être détruit. Mais j'ai trouvé des schémas pour en fabriquer un autre. Je devine la suite. Ouais. Ouais, ouais, j'allais recréer ce fameux émetteur. Ce fameux émetteur. Donc, ça, ok. Double méca charognard qui est revenu. Là, j'étais pour me crafter de nouvelles choses. C'est quelque chose qu'on va voir. Ouais, ça c'est fait. Voilà, ensuite. Non, pas fabrication d'armes. Amélioration d'armes. Hop, ça. C'est. On s'en fout. Alors, attends. Capacité. Toi, je te dégage. Hop, je te vends. Oui, toi, je te vends, oui. Voilà, et toi? Ouais, je te vends aussi. Ils me servent à rien que ceux qu'on... Parce qu'en fait, pour l'instant, là, on gagne 2, mais on perd 1. Alors que le père de l'aventure, on aura des... tu gagnes 2 et tu gagnes 1 encore. Genre deux fois une capacité et une fois l'autre capacité. Et ça, c'est bien ça que je veux, en fait. J'ai pas envie de perdre, là. Ouais. À part si... Ah merde, non, je suis con, j'avais dit que je garderais le cadran de tir pour la bombe. Elle est là, regardez. Voici le schéma technique dont je parlais. Je ne vois c'est Lemuriana, elle. À la fabrication, mais il y a un entrepôt scientifique de l'autre côté. Voilà un schéma. C'est moi, Zach. Et je me l'appelle, j'ai la classe. Lance au son, vous voyez. Merci. Elle m'a posé le blueprint, je l'ai pris. Modifié un pic de télémesure. Je sais pas comment ça fonctionne, mais oui. On va en faire un avec les bonnes pièces. Où est l'entrepôt? Les coordonnées sont sur vos rigs. L'entrepôt, il est dedans. Il y a des chances pour que l'entrepôt soit verrouillé. Réponse intelligente. J'ai trouvé ces mots de passe à notre arrivée. On est entré grâce à eux.
Peut-être qu'ils ouvrent d'autres bâtiments. Ouais, on verra. Ça, c'est fortune, hein. J'y vais. Ça, c'est bien, hein. Ça, c'est fortunate, hein, d'avoir trouvé les mots de passe comme ça, par chance, hein. Ok. Quoi, vous êtes encore là? Allez-y. Putain. C'est tellement mal joué, tu sais. Allez, ferme-toi, ascenseur. On va couper de la gueule. Oh, oui, oui, oui. Oui, oui. Donc là, on va... Ouais, c'est par là. Disons que cette expérience marche. Nous trouvons la PD qui nous parle là, vas-y ta gueule. Vous savez comment vous y prendre pour l'arrêter? Eh bien, l'amiral Graves a parlé d'un codex. Ce serait la clé pour contrôler la machine. Oui. Alors là, le scénar, ça devient n'importe quoi. Allez, ouvre-toi! Il serait capable de forger cette clé. Non, mais vous vous entendez? Vous n'en savez pas plus que moi sur tout ce merdier. Si je trouve de quoi fabriquer un capteur, nous pourrons trouver la machine. On apprendra plus sur ce codex. C'est bien ça. Les soldats qui repop. Oh, mes traces de pas! Ça rend bien fait. Juste pour trouver la remousse que je dis en fait. Ah, oh, voyez, je peux pas le péter, score. Je peux pas le prendre non plus. Ah bah. Au même endroit qu'avant, bah c'est pas grave, écoute, hein, amuse-toi bien, petit coquinou, hein. Oh, vas-y, je continue. Parce que là, à l'entrepôt, ça va pas être de tout repos. Ça va être chiant, même. Tiens, on va voir les Velociraptors là. Vous vous rappelez d'eux? Hein, les Raptors? Oh putain. Dans des Space 2 qui apparaissent. Dans des Space 2 ils font peur, vous savez, genre on est dans les labyrinthes de caisse, on flipouille et tout, alors que là regardez. Pour Altman, suicide. Ok, elle est encore là là. Comment j'ai trop géré cette séquence l'autre fois. Tiens, c'est machin. Et ces corps. Ah putain, je peux leur prendre leur supply. Je peux pas les détruire, vous voyez. Et lorsque on ne peut pas détruire un corps, c'est jamais très bon signe. Ça veut dire qu'ils vont ripop. Non, même ça, ça ripop. Ah oui, mais ça ripop avec de la merde. Ok, ça ripop pas avec un circuit d'amélioration. J'ai eu peur, hein, je me suis cru. Ah, moi j'ai cru, hein. Je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qui va nous arriver? Allez là. Personne qui me pop dessus, c'est bon. J'aime pas ce monstre. Il fait peur. Normalement, là, c'est ouvert, je crois. Et voilà, eh ouais, easy money. Et là, ça va faire peur. Attention. Ah, vous avez vu? L'enfoiré de Velociraptor. Il est parti par là, la grédération. Donc ça doit être une side mission, une mission next que je ferai pas parce qu'elle est pas intéressante. J'en ferai juste une, hein, que Thomas m'a gentiment conseillé pour trouver le trésor Peng. Chapitre 14. Oui, oui, oui. Voilà, c'est dans le baraquement des faucheurs, un truc comme ça, donc on verra ça, hein, ça peut être sympa. Sans le fait qu'elle soit pas trop longue, pas trop difficile. Regardez. Tu sens des traces de pas bizarres. C'est le raptor qui est sorti par là, vous voyez. Ah bah il démonte un mec. Et il se casse. Tous par là, ils sont partis par là, oui. Et moi j'ai peur. Juste pour ça en fait. Regardez, c'est exactement le même arrangement de grotte, enfin de gorge que l'autre fois ça. Pareil. Un endroit où on voit rien, mais dans lequel il y a du supply et pas d'ennemis, hein. Ça, les ennemis, on s'en fout. Pour ça, lorsque j'y allais et que j'avais peur, et ben je savais pas que ça servait parce que je mettais pas mon mec à charognard. J'allais, je voyais qu'il y avait aucun, il y avait pas de supply, rien. Je disais, ça sert à rien ça. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait des salles comme ça, bizarre? Et en fait, tout s'explique. Donc là, on va rester sur ses gardes. Ah, il m'a rien lâché. Donc la technique est la même, hein. Coup de stase et on le démonte.
qu'on les voit pas à cause du brouillard. Ah, je me suis fait les deux. Oh. Ah non, il est tombé l'autre corps. Ah non, oh, ah bah c'est une patoune. Putain, j'ai raté les supplies là. Ok, là j'ai bien joué. Je garde les yeux ouverts. Putain, la stase était bien foutue. Sinon, je me serais fait démonter. J'ai cru en avoir vu un. Faut bien que j'ouvre les oreilles. Parce que ces ennemis font très très mal quand ils te touchent. Bah, à la manière de Space 2. Hein. Ah, bâtard! Tu meurs? Oh là là! J'aurais dû le staser. J'aurais mieux réussi à viser, je pense. En fait, je m'attendais pas à ce qu'il arrive par là. Finalement. Oh, comment je me suis double répété. En utilisant pas, enfin en tirant pas dans les membres, ça met quand même plus de balles pour les tuer. Hein. Je me demandais. Mais finalement, ouais. Putain, regardez. Je crois que ça tape. Allez! Allez! Hop hop hop! Eh oui! C'est qui le papa là? Casse-toi, toi! Je remonte ma stase! Hop là! Celui-là, si j'avais quelques heures plasma, je galérerais tellement pour les démonter. Plus que dans. Je vais faire le tour par là. Plus que dans le 2. Hein. Vous avez remarqué qu'ils sont déjà noirs, hein. ils sont déjà pourris. C'est pas, je crois pas que ce soit le skin de base ça. Pas monter là-haut, c'est dommage. Il y a un petit pont de glace là qui emmène vers ces deux lumières là. Bon, là je crois qu'il n'y en a plus. Non, je crois qu'il y a des supplies par derrière là. Et ouais, avec en plus ça qui ne sert à rien là, un artefact. Je n'irai pas. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Je sais plus. Que dalle, ok. Donc là on va arriver à l'intérieur du hangar, du gros hangar en fait. On va faire attention. Car je sais ce qui va m'y attendre. Oui, oui, oui. C'est qu'en dépit de toutes nos précautions, la quarantaine et la sécurité. Ah, vous voyez ça. Nous devons recourir au ça là, je vais vous laisser regarder. Pour le bien des colonies souveraines que nous avons juré de protéger. Nous savons que tous ne seront pas d'accord avec cet ordre. Par conséquent, 3 régiments de soldats se chargeront d'appliquer militairement cette situation. C'est quand tout tourne mal, savoir ce qui va se passer. L'un désactivera tous les véhicules. Un autre traitera le personnel ayant obéi à l'ordre et fera le nécessaire pour tous les autres. Le dernier détruira données, archives et moyens de communication sur Tau Volantis et en orbite. Cette tâche terminée, chaque groupe considérera sa mission accomplie et procédera au suicide. Que Dieu bénisse les colonies et qu'il ait pitié de notre âme. Si vous regardez ce donc ça c'est un ordre qui vient de toutes nos précautions, la de Sarano, je crois que ça s'appelait comme ça. Nous devons recourir Sarano c'était le... Ah non c'est le général Mahad je crois, voilà c'est le général Mahad. Et justement le scientifique, là, le docteur Sarano, il voulait empêcher ça. Et c'est pour ça qu'il a envoyé ses mecs récupérer le Nexus, que justement le Mahad a récupéré derrière sur le soldat qu'on a joué au début. Il a tué le soldat, il a effacé les traces du codex justement, et derrière il s'est suicidé. C'était ces ordres là qui... Qu'est-ce qu'il y a? J'ai récupéré un truc. Ah ouais. Moyens de communication, voilà, c'était ça. Sur taux volantif et en orbite. Par contre, je crois pas avoir crafté de barre. Ah putain, mais. Avec un peu de chat, j'ai trouvé un. C'est quoi ça? Vous voyez, on est en 2300, à l'époque c'était 2300, et ils ont encore ces vieilles machines de merde. C'est pas un DVD high-tech 1080p, non, non! Ça! C'est débile! C'est totalement. Je trouve pas le mot, mais il va me venir. C'est anachronique! Oh là là, comment je parle bien! Putain, j'espère que c'est par là au moins. Ouais, c'est bon. Pas que je me trompe de porte! Et voilà. Je suis au relais. Ah merde, j'ai pas de me cacher en arrière. Ah, je l'ai déjà envoyé, c'est vrai.
Oh merde, oh merde, oh merde. Qui va m'attaquer en premier? Ramenez votre gueule. Voilà. Hop là. Allez, ramasse ta tête. Il y en a là-bas, regardez. Et toi là? Allez, casse-toi, ouais, c'est ça. Allez, rush! Ah merde! Oh putain, quel con! Eh merde! Il a failli me tuer, vous avez vu? Un hit, hein, un seul hit. Ah, j'ai fait le con! J'ai tiré dessus, mais ça l'a pas stoppé. Ah, j'ai fait le goliath par contre. Ah, c'est pas grave. J'aurais quand même un peu skillé là, j'aurais bien d'observer mon environnement. En fait, il fallait juste un petit peu de temps ouais, pour m'y remettre. Donc, il y a une mission secondaire là derrière en fait. C'est l'armurerie, je crois, mais elle est pourrie, franchement. Elle rend pas bien. Pour ce qu'on gagne, hein. On gagne des circuits d'amélioration, on gagne quelques machins un peu stylés pour le flingue. Je crois qu'on a le bain d'acide d'ailleurs, mais j'ai pas envie de taper la mission juste pour le bain d'acide, franchement. Le choc électrique il me suffit amplement maintenant, parce que... En fait l'arme fait la même chose quoi, sauf qu'à la place de balancer un choc électrique, ça fait de l'acide quoi, voilà. C'est juste, en fait c'est un module, voilà, c'est juste un module. C'est rien de fou quoi. Donc là on va essayer de pas se foirer. Voilà. Hop, 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 hop. Maintenant. Et voilà, je galère. Ah non, c'est bon. Vous voyez, les deux sont plus synchronisés là. Les trucs sont plus symétriques en fait. Mais bon, finalement, on s'en sort quand même. Hein. C'est pas si dur. Hein. Je veux dire, pour qu'un enfant de 12 ans réussisse à le faire. C'est bon. Donc là, c'est le vrai hangar, mais un hangar qui est en morceaux, ouais. Pourquoi je vous spoil aussi, moi? Merci. Y'a rien là-dedans, y'a pas un bench, un truc stylé. C'est quoi ça? Ah cool. Putain, il file plein de munitions. Et voilà. Wow. Les gars, je sais pas sur quoi ils travaillaient ici, mais on dirait qu'ils ont saccagé la moitié de l'entrepôt. Oh non. Le truc il est détruit. Ils ont les pièces du détecteur. Trois pièces, c'est ça? Bon, ça va pas être simple, mais je vais voir. Alors bien sûr les pièces sont encore là, hein, à des endroits plutôt faciles d'accès. Hein. C'est débile. Mais j'ai arrêté de critiquer le jeu. Hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'incohérences. Plus de cadence de tir, moins. Ah, je l'avais déjà celui-là. Finalement, je vais aussi le revendre. Parce que je m'en suis pas servi une fois, c'est pas bon servir une deuxième fois. Hein. Donc, ça, faut le voir. Hein, sinon, on est long. Sinon, on peut rester longtemps caché ici. En gros, ça fait remonter la caisse, vous voyez. Voilà. J'ai eu de la chance la première fois que j'ai joué, je l'ai vu direct. Voilà, elle est en haut, hop, c'est bon. Elle redescend pas en plus, ça c'est cool. Maintenant, on va descendre là. La musique s'excite, mais on va pas t'attaquer, hein, t'inquiète pas. Ah, ça explose derrière moi, mais je peux quand même pas attaquer. Ah, j'ai peur, mon dieu. Ah là 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 là. Ce jeu fait peur. C'est quoi ça? Voilà, en bout de sonde et de 1. Ensuite. Ça. Attends, je peux choper comme ça. Voilà, hop. C'était là-dedans. Vous avez... C'est quoi comme truc? C'est pièce trouvée. Ok, ils disent pas ce que c'est. Regardez ça. 3 kits de soins et 3 chargeurs. Ça sent le boss, hein. Et ensuite, on récupère le chargeur et la troisième plaie. C'était difficile. Okay, c'est quoi ça? SC, ouais, saucisse, colonie souveraine. Sovereign colonies. On peut utiliser le plan sur un établi. Rien de trop compliqué. Ouais, ouais, ouais.
T'inquiète, c'est Easy Money. Et on va se battre contre un boss, et on va se battre contre un boss. Oui, 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 oui. Oui, oui. Je sais pas de me cacher Ragnar, non, toujours pas. Merci, il faut que j'aille le récupérer. Alors, l'établi, mais bon, là, il n'y en a pas sur le chemin. Il y en a un dans la mission secondaire, mais je pense y aller. Donc, finalement, je prendrai celui. Qui est près de, du cadavre, hein. Il est presque. Et je vais devoir faire du skill, là. Parce que leur tour de connard est là. Oh, et là il est super vénère là. Il est méga plus vénère qu'avant. En même temps, je le comprends, je suis aussi vénère moi. Après une déculottée pareille. Ah, il m'a démonté. Ah, il me redémonte. Putain, ce qui est chiant, c'est que... Allez, allez. Arrête ta gueule. Voilà. Technique toujours la même. Esquive, dodge. Je l'ai eu, je crois. Ouais. Dodge. Oh, pas besoin. Dodge. Ah, j'ai dodgé contre un truc, je suis un con. Et dodge plus vite, putain! Ah, le bâtard! Merde, j'ai crevé. Oh, je suis mort. Eh oui, voilà, putain. En fait, quand il touche une fois, tu galères après. T'arrives pas forcément à bien le dodge. Et ça, c'est chiant. On va recommencer, c'est pas grave. Avec les caisses et tout, ça t'empêche de pouvoir sauter. C'est vraiment relou, c'est vraiment... Là il est vraiment chiant hein. Mais putain, il y avait une caisse. Allez, vas-y, ramène-toi. Faut que je pète ce genre de chien en fait. Ah putain. Pourquoi tu fais ça? Ah, mais recherche. Je l'ai eu. Ah, je l'ai eu. Ah putain, pourtant j'ai dodge. Et voilà, et j'ai fait, et voilà, et je suis mort. Mmh. Ça me casse les couilles de rester bloqué. Parce qu'il est facile à niquer, mais tu te bloques. C'est l'endroit le moins, le design de cet endroit pour se battre un boss comme ça, il est pourri franchement. Allez, casse-toi là. Allez là, et je fais pas dodge là, putain. Voilà, gagné. Sors ta merde. Je te défonce. Okay. Allez. Et hey, je me suis fait nous faire avoir pas une putain de porte. Mais putain. Tu peux pas avoir un rétroviseur, hasard, que je vais derrière un peu. Putain, je le démonte le truc, mais je me fais bloquer par le décor là. Chier. Allez, qu'est-ce qu'il y a, ta gueule. Ah, bien sûr, c'est la fête du slip, putain.
Allez, dodge là. Là, je l'ai dodgé, je sais même pas comment, tu sais. Tu sors ou pas? Allez, casse-toi. Ouais, viens, t'entends ton cul qui glisse derrière. Voilà, allez, ta gueule. Voilà. Putain, je suis Keblo. Et voilà, je me fais démonter la gueule. Et encore une fois, putain! Mais vas-y, c'est la fête, putain! Et il m'a tué, putain! Commence à me saouler là, hein. Connard, va. Tu peux rien faire! Il est pas assez malléable, il est trop lent, Isaac. Il nous file un monstre qui saute. Qui fait des sauts de 15 mètres et on peut pas le dodge. Arrête de bouger avec ta tentacule là. Oh. Mais non. Il... Non. Genre ça touche à... Tu veux pas arrêter de mettre tes patounes devant là? Mais je t'ai touché là, putain. J'arrive pas à voir ta tentacule. Y'a ses patounes devant. J'ai eu là ou pas? Mais je sais, je veux pas! Voilà! Eh ouais, ben oui, bien, ah bah bien sûr! Hein. Ah, c'est la fête du slip ça! Je t'arrache ta patoune, t'arrives comment à venir? Putain, monsieur Tetsu! Allez, ta gueule! Allez, ta gueule! Mais bien sûr, allez, bah c'est ça. Ah, tape-moi, allez, vas-y, tue-moi. Ah, c'est, ah bah ouais, ouais, ah oui. Mais bien, ah mais c'est, ah oui, bien. Putain, normalement quand tu te fais toucher, t'es un peu invincible pendant 15 secondes. Pendant 3 secondes, le temps de casser, tu vois, non. Ici, non, je s'en fous, lui, s'en fout. Il nous démonte la gueule, on a rien à battre, ce con, là. Eh ouais, bien sûr, allez. Eh ouais, eh ben je 10 secondes à l'avance, mais. Il me dit mon... Putain, toi, tu chasses ça. Putain, t'as tué le con. Oh le putain. Sérieux, en plus. Je le touche là. Ah oui. Mais bon. Faut que je reste loin. Ah, je l'ai eu. Casse-toi, Isaac, cours. Ah. Mais putain, mais sérieux. Ah oui. Allez, vas-y. Encore un round. Allez, moi je rigole plus, c'est bon, tu m'as saoulé là. Voilà. Allez, c'est bon, on le finit maintenant. Je suis assez mort, hein. Allez, normalement là t'es dead là, c'est bon.
Allez, casse-toi, allez, casse-toi, mec. Dégage, ouais. Putain. De boss de merde. Merde, cette bestiole a encore foutu le camp avant de mourir. Oh merde, on n'aura jamais affaire. Salope. Le capteur marche, on pourra localiser la machine. Si cette planète ne nous trouve pas avant, on la trouvera. J'en reviens très vite. J'ai besoin de life, là. Ah, j'en ai encore tout plein. Hé, hey, quelqu'un s'est rendu à l'armurerie? Non, pourquoi? Oh merde, c'est ce que je craignais. Quelqu'un y a laissé des signaux récemment. C'est pas vrai. Ouais, regardez, dans l'armurerie, il y a plein de light, en fait, qui était pas là avant, mais on s'en fout. C'est tellement de la merde, je vous dis. Cette mise en facultative, elle est tellement pourrie que ça sert à rien de la faire, hein, franchement. J'ai envie de dire, Osef. Salope d'araignée, tu m'as bien saoulé. Ouais, tu m'as bien saoulé. En dépit de toutes nos précautions, la quarantaine est la seule solution. Nous devons recourir au sacrifice ultime. Ouais, on s'en fout, allez. Que nous avons juré de protéger. Tu te tais. Oh, cool, c'est ouvert sur nous. Ah ! Ah, la bâtarde, il y avait une petite araignée dedans. Ok. Le fusil à pompe, en fait, il est tellement précis, même de loin. C'est vraiment intéressant, j'aime bien. Ah ouais, c'est vrai, je suis... Je vais faire attention, je crois que je me fais à nouveau attaquer. À part ces merdes là. Casse-toi là. On te stase et... Tu casses ta gueule. Hop là, ta gueule. Hop là, ta gueule. Vas-y, relève-toi maintenant, t'as une autre tête. C'est bon, j'ai tout. Ah oui, c'est vrai que c'est le mec qui arrive avec sa putain de bombe, ça. C'est discret en tout cas, on le voit de loin. Hop là, allez, vas-y, mange ça. C'est tellement con. Le mec, on le voit à travers le décor de l'autre bout de la map, tu sais. Oh, mais quel putain de goal. C'est tellement nul, il est arrivé de là-haut, le mec, tu sais. Avec sa bombe. Je l'ai pas vu, je l'ai pas entendu, mais j'ai vu ta bombe à travers le décor, merci. Cindy, c'est trop bête. Je vous laisse kiffer la zik. Petite musique d'ambiance, sympatoche là. Vas-y, on peut courir là. Ah oui, c'est là qui se fait bouffer l'autre. Il est sorti de là le méchant et nous on va à l'ascenseur une nouvelle fois. Cette fois-ci, nous allons rentrer dans le cœur de la bête. Ah ouais. Tirons-nous d'ici. Si vous tenez vraiment à Amy, faites-le. C'est Norton, hein. Vous avez rien écouté ou pas ? Prends une petite tapette, ce mec. Hein. Nous sommes le dernier espoir de l'humanité. Tout est fini, Isaac. Pas visé, non. Tout. Notre dernier espoir est de survivre et de quitter cette foutue planète. Quelle tapette, putain. J'ai encore des munitions. Ouais, pas beaucoup, hein. Je pense que j'ai mon crafté un peu, tiens, des munitions, ça serait bien. Ouais. Et j'ai amélioré un petit peu ma combi aussi, ça peut être sympa, ça. Tiens, je vais faire ça. Oula, c'est quoi ce son? C'est quand même joli, hein. En espérant qu'il n'y ait pas d'ennemis dans les parages, là. Ouais, ça fait quand même beaucoup d'aller-retour, je suis d'accord. Mais bon, c'est pas pour rien que ce soit le moins bon Dead Space, hein. Ça, hein. On va pas se le cacher. Vous avez vu, il y a des lanternes autour maintenant. Voilà. Donc là, on se dit, tiens, mais qui est-ce qui est venu mettre des lanternes, des bougies autour Donc, on va le fabriquer. Voilà, hop, hop. On va le foutre à la place du cutter plasma pour l'instant. Ça, c'est bon. Les deux mécas charognards, c'est cool aussi. Merci. Putain, le ferraille. Je vais pouvoir crafter plein de missions. Ok, ensuite. Amélioration d'armes. On va améliorer celle-là. Hop, ok. Alors, celle-là, Osef. Enfin, pas améliorer, mais juste virer des trucs, quoi.
On va revendre ça, bim. Ouais. Voilà. Wow. Bon. Très dangereux pour du matériel scientifique. Je fais quoi avec ? Il me semble que les scientifiques prenaient des mesures internes. Donc, je suppose que nous allons devoir lui ouvrir le ventre. Alors c'est peut-être qu'il explique rien. Super. Ah mais... Mais putain! Casse-toi! Allez là! C'est pas vrai ça! Ouais, j'ai utilisé le pic de télémesure pour lui mettre ton cul alors! Ouais, le problème. C'était mérité. Putain de saloperie! Quoi? Y'a un golos qui est bloqué là derrière! Elle est bizarre ma vue là. Tu t'amuses bien? Allez, qu'est-ce qu'il y a? Mais casse-toi. Allez, enculé par ta propre patoune, c'est bon. Pire que Nico. Ouais, putain, je connais bon l'appareil. Il prend sa patoune, il se la met dans la nuit. Et après, il pleure. Ah ouais, il pleure. Et ouais. Et ben. Eh, c'est comme ça les chiens t'appellent. Ah oui, pleure. Bon. Je vais rentrer dans le monstre de la bête. Oui, oui, je vais rentrer dans le monstre de la bête. Oui, oui. Nous allons y entrer. Ça va être rigolo. Ah, vas-y, mets-toi dessus. Ta sœur à toi là. T'as rien à me filer que je suis dans. Bah j'ai pas trop les armes adéquates pour tuer ça là. Putain. Ça bug ou quoi là? Mais putain! Non! Allez vous faire foutre! Ah j'ai plus de vie putain. Le pire moment quoi. Chier. J'en ai pas de bol là. Je tire dessus ça leur fait rien on aurait dit quoi. C'est ouf. Arrêtez de gratter vous rentrerez pas. Aïe aïe aïe. Je dois me crafter de la vie un peu là quand même. Surtout parce que je sais ce qui m'arrive après. Bon alors déjà je vais me crafter plein de missions, kit de soins. Allez, deux kits de soins. Ça suffit pas, on repassera. Hein, mais c'est... Chier. Oh, j'en suis. Bon, vas-y. On va dire que si. Ah 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 ah. Attends. Ah, très 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 important. On va améliorer cette arme. Toi, je t'ouvre. Oui. Toi aussi, oui. Ensuite, retirer circuit, retirer, retirer. On met tous les dégâts sur cette arme-là.
Voilà, parfait. Ensuite. Bon, on va dire que ça va. Parce que là, il va m'arriver dans la gueule, mais un truc de ouf. Dans le ventre de la bête, là, c'est l'un des pires endroits du jeu, je crois. Jusqu'à maintenant. J'ai tellement détesté, j'ai tellement crié, j'ai tellement ragé là-dedans. C'est tellement de la merde. C'est qui ? Ne vous occupez pas de ça, connard. Il était en train de skyper quelqu'un, là, mais on n'a pas vu Skype. Il était en train d'appeler quelqu'un, mais on voyait pas qui. Voilà. Bon, allez, ok. Donc maintenant, on sait ce qu'on fait, hein. On va l'ouvrir le bide. Hein. Ça va être marrant. Avec ça là. Oh, il y a un truc là-bas. Voilà, hop. Comme ça. Ça va tirer dessus. Bam. Et ensuite, on le remonte et on ouvre le ventre. Allez. Voilà, c'est intéressant. Putain. Dans le ventre de la bête. Dans l'antre de la bête. Cœur du démon, blablabla. C'est ouf, hein? Ramène sale gueule, hein. Allez, vas-y, tire dessus, bum. Et on monte, et voilà. C'est tellement nimble ce scénar, putain. Par contre, j'ai peur qu'avec la qualité du cube, vous voyez rien dans la dans le ventre là. Quoi? Tu plaisantes, j'espère. Ah, c'est bon. Oh, je vais y aller. Aidez-moi à la guider. Ouais, d'accord. Montez dedans. Ah ouais, montez dedans. Ouais, allez, allez. Pidi 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 pidi. Et voilà. Là, il va falloir que je fasse marcher ce qu'on appelle la mémoire. On rentre dans le corps de là où tu bois mon. Bon, Santos, comment ça va se passer? Utilisez le capteur pour trouver un point névralgique. Vous devriez l'entendre. On descend. Et ensuite, essayez de lui tirer une sonde. La télémesure fera son travail, et nous saurons où est la machine. Au final, c'est plutôt simple, non? Ouais. Ouais, ouais, c'est simple, ouais. Regardez, il y a même des tuyaux qui viennent dans le corps. Ok, du monde pour aérer. Je plante la sonde et je suis le signal. C'est pas trop compliqué. C'est dégueulasse, là-dedans. Regardez, c'est ça, là. C'est les nodules. Attends, je viens de par là. Ouais, faut pas que je perde la sonde de le truc de vue. Là. Faut que je me rapproche du bip en fait. Putain, il y a comme un brouillard un peu, vous voyez. C'est un peu bizarre en fait. C'est vivant, ça bouge, hein. Et en même temps. Elle. Attends, la cage est là, ok. Allez, allez, allez. Santos, la chose remue. Hop là, je me cache là. Pas d'inquiétude. Change d'arme. Elle est bien morte. Ouais, ouais, elle est morte, ouais, mais il y a des choses dedans qui sont pas mortes. Regardez, regardez. Cassez-vous les bébés là! Entrez pas! Allez, tire! Oh putain, mais lol.
Ah, il m'a arraché la tête comme ça, ok. Ah, c'est la fête. Putain. Bah, je pensais que j'avais la bonne technique là. Oh, fais chier, on va la recommencer, c'est pas grave. Santos, la chose remue. Pas d'inquiétude, elle est bien morte. Bon, on va essayer de jouer mieux. Il peut me taper à travers ou quoi? Merde, mais je vais nous crever comme ça, c'est pas vrai! Non! Non, mais allez! Mais je vais pas appuyer plus vite! Je peux pas appuyer plus vite! Mais lâche ça! Tire! Putain! Ah, il me tue à travers les carreaux en fait, il me tue à travers. Wow, je vais devoir couper 5000 fois. Hein. Santos, la chose remue. Pas d'inquiétude. Elle là, je vais voir les stases et tout. Tu as vu ça? Je vais cacher là. Mais non, mais par... Mais par où il vient? Mais d'où il vient? Mais comment je suis mort, putain? Ok, j'ai trouvé un autre endroit de me cacher. Hein. Non, pas là-dedans. Y'a pas un cul-de-sac quelque part là? Je peux tous les attendre. Comme okay, ça là? Je plante la sonde, ouais, et je vais mettre là. Suis le signal. Ok, je vais mettre. C'est pas trop compliqué. Allez! Santos, la chose remue! Pas d'inquiétude, elle est bien morte. Mais sinon qu'ils arrivent à par derrière, putain, sinon je m'énerve. Tu as vu ça? Mais oui, viens lui! J'ai plus de life en plus, putain! Et voilà, et voilà, et je sais pas d'où c'est venu, je suis mort. Ah, je crois que je suis bloqué là, je crois que je pourrais jamais m'en sortir. Putain, il part derrière quoi. Ah, il doit fauper de partout là. Je
C'est-à-dire qu'il pop même dans la cage, quoi. J'attends qu'il y en ait beaucoup. Staz les envoyer tout chier à coup de fusil. Ok. Je vais faire un essai. J'ai combien de life là? 3, 4. Allez! Santos, la chose remue! Putain, il devrait pas pouvoir me toucher à travers la cage là. Bon, allez! Mais il est rentré! Comment il a fait? Mais allez! Eh, c'est pas vrai, mais c'est pas vrai! Je pensais pas que ce serait si dur. Hein. Inquiétude, elle est bien morte. Allez, c'est la fête du slip, putain!
putain, non! Putain, j'avais bien géré jusque là. Tu vas pas tout faire capoter? Allez, crève! Oh putain, j'ai réussi! C'est un mécanisme de défense. Ça a marché? Non, le signal est beaucoup trop faible. Je ne peux pas le localiser précisément. D'accord. Ouais, faut encore que tu le fasses, ouais. Oui, bonne idée. Ça devrait l'amplifier. Normalement, le deuxième coup, il vient de pas. Oh merde, pas encore. Ok, venez, attrapez-moi. Pour être sûr, hein. Tout va bien. Non, c'est bon. Ok. Ouais. Bon. Je me tire. Par contre, ici. Ils vont venir au troisième coup. En fait, je me tais parce qu'il faut que je compte le nombre de balles, de balles qui me restent dans le chargeur pour le méga PK. Parce que j'arrive pas à voir le nombre de missions que j'ai en fait. Donc quand j'arrive au bon nombre, faut que j'arrive au nombre moins 1, je stase ce qu'il y a, je reload et je regarde si ça passe. Enfin, si ça passe. Et j'attends, j'espère que ça passe pas surtout. C'est là-haut. On se casse, go. Vite. Allez, on s'en fout de ça. Allez vite. Cours, enculé. Et bien sûr, ils vont pas faire remonter avant que ça. Ils sont tous. Non. Ok, 12. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. 8, 9, 10, 11, stase, reload, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, reload, charge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, va te faire foutre. Non, vite. Lâche-moi. Combien là? 5, 4, 3, 2, 1, stase et merde! Ah, j'ai besoin de lever. Casse-toi! Allez, reload plus vite. Il y en a un qui arrive. Y'a plus que toi. Oh putain. Santos, dites-moi que ça a marché. Oui, merci. Mais l'analyse va prendre un petit moment. Bien. Je retourne à la cage. Ouais, j'étais plus avant à la cage. T'aurais pu remonter pendant que ça... Ok, on y est. Oh putain. C'est quand vous voulez, Norton.
Ayrton ! Allez, vas-y, remonte-moi. Santos, on sait où est la machine ? Oui. Oh là là. Il y a des milliers de signaux, tous concentrés sous la surface de la planète. C'est forcément ça. Il y a un accès un peu plus haut, sous un autre site de forage. Il y a un accès plus haut, mais c'est un pic. J'ai vu du matériel d'escalade. Santos et moi allons le préparer en bas de la falaise. Norton. Allez, vas-y, remonte. Tu les actes là ? Ouais. T'as, j'ai mal à la gorge, faut de crier là. Ellie. Ouais. Je t'aime. Tu sais. Quoi ? Et ferme ta gueule, Norton, putain. Rejoins-nous à la falaise. Compris. Elle s'en fout de ta gueule, c'est bon, allez. T'as vu ta tête ? Il ressemble à rien, on dirait une huître. Norton, ouvrez la cage. Non. Quoi ? Vous voulez mourir ? Ne vous gênez pas ! Je reprends le contrôle de cette mission. Hé ! Vous allez où ? Sauver Ellie. Ouais, ouais. Norton. Ouais. Commence par Norton te sauver toi-même. Norton ! Donc hey, maintenant, l'énigme la plus difficile du jeu. Bon sang, il a brouillé mes rigs. Lol. Énigme difficile. Et voilà. Et oui, oui, oui. Putain. Ah, putain, j'ai tellement mal à la gorge. Ah mon dieu. Ouais, prochaine sauvegarde, on s'arrête les gens, hein, parce que là, je n'en puis plus. Alors toi, on va te remettre toutes ces belles choses là, retirer, 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 on va le remettre sur le gros. Alors dégâts, bim, alors dégâts, EBM, et dégâts, et EBM. J'ai mis quoi sur l'autre ? Attends, enfin, j'ai mis les autres forcément. Cadence de tir, et blablabla, et recharge. Voilà, parfait. Ensuite, coffre, le brise-surface, on va le mettre ici. Toi, voilà. Et lui, lançon d'incomplet. Je vais te le démonter, vas-y. Voilà, ça sert à rien. Ah ! Ah, 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 j'oublie un truc. Crafter des dinabars. Il m'en faut deux au moins. Il faut toujours que j'en ai au moins une sur moi. Donc on va en crafter deux, comme ça, ça sera fait. Voilà, vas-y, même 3, je suis un ouf. Je suis un gueudin. Ok, parfait. Maintenant la sauvegarde, please. Ah là là, saleté. Vous comprenez pourquoi je voulais pas aller là-dedans. C'est du sport, hein, c'est ouf, hein. Genre normal, j'ai galéré comme un porc. En même temps, j'avais que le fusil comme arme. Mais là, c'était impossible, franchement. Si j'avais pas fait la technique comme ça, cachée dans l'ascenseur, je pense pas que j'aurais pu m'en sortir. Ouais, j'aime bien lire ce message, il est intéressant. Parce que c'est Earl Serrano. Attendez, avec tout ce que j'ai récupéré, je vais voir si je peux améliorer ma vie. T'as même avec la vie améliorée quasiment au max, ça, je me suis fait déchirer la gueule par ses ennemis. Hein. C'était ouf quoi. Alors, rig. J'ai pas assez de gel somatique, et forcément, hein, j'ai crafté de la merde. Ok, super, ouais, ouais, ouais. Chaise somatique, on en fait tellement. J'espère que mes cacharonnières m'en apportent beaucoup. Ah, sauvegarde de la progression. Bon, je prends ça et ça. Et je vous dis à la prochaine, tout le monde, avec plus de skills, j'espère, et moins de fails contre des ennemis invincibles et venant à 15 millions à la fois. Donc, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye. J'ai trop la gorge, c'est ouf.